Tiens, un C'est devenu tellement rare qu'on les remarque à tout coup. Le guetali, c'est un truc qui n'existe qu'à la Réunion, inventé à la Réunion. Et c'est beaucoup plus qu'un truc, en vérité. C'est un élément architectural, un espace, un style de vie, le témoin d'une société, d'un mode de pensée. Oui, tout ça. Vous voyez ce que c'est un guetali Cette petite terrasse des villas créoles qui fait l'angle de la rue et qui vous regarde de haut. Une terrasse couverte et abritée de panneaux ajourés, inspirée de ce qui se faisait au 19e siècle sur le continent. C'est le début des villégiatures où l'on croise ces kiosques dans les propriétés de bord de mer. Mais pas tel qu'à la Réunion, où l'idée n'est pas d'avoir un coin dans le jardin abrité des ondées et de l'ardeur, pour ça on a la varangue. Non, il faut qu'il soit au bord du chemin, et en hauteur, pour gaîté, sans se faire remarquer. Et quitte à faire, autant qu'il soit joli parce qu'il se voit de l'extérieur. Donc on l'habille de lambrequins et de pilastres et tout le Bataclan. L'image. On en trouve encore quelques-uns dans les grandes villes. Sur la rue de Paris, à Saint-Denis, pour regarder les cortèges et le défilé. Dans les lieux de villégiature aussi, elle bourre en garde quelques beaux échantillons. Et ce n'est pas étonnant que faire là-haut, quand on a fini de prendre les eaux. Guetté, pardi. Le guetali est là pour ça. Pour regarder qui passe, et à quelle heure, et avec qui. On dit qu'il était dévolu aux jeunes filles, qu'il fallait bien sortir un peu dehors, mais pas dans le soleil. Et pas aux yeux de tous. Donc, dans le ghetali. À guetter, à causer en vérité, ce serait pas aussi le berceau du ladi fée ça même la réunion.